À la suite d'une procédure de l'intérêt supérieur, les enfants migrants peuvent bénéficier d'une aide au retour et à la réintégration dans leur pays d'origine comme l'une des solutions durables, garantissant leur protection, leur survie et leur développement. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant contient des principes directeurs non discriminatoires qui expliquent l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à la survie, au développement et à un traitement adapté à son âge et à sa maturité. Il existe un certain nombre de types de programmes de réintégration qui prennent plus ou moins en compte les enfants. Nous recommandons une approche sensible aux enfants qui garantit que les programmes de réintégration, dans leur ensemble, puissent répondre aux vulnérabilités des enfants. Les enfants présentent un ensemble distinct de vulnérabilités. Physique. Les enfants sont plus sensibles à la malnutrition et aux maladies en raison de la fragilité de leur système immunitaire. Dépendance. Les enfants étant tributaires des adultes pour leur subsistance, la négligence et les abus aggravent leur vulnérabilité. Désavantages institutionnalisés. Les enfants ont tendance à être dévalorisés en fonction de la perception de leur âge. Le pôle de gestion des connaissances de l'UEOIM et Samuel Hall, en coopération avec Save the Children, a développé une boîte à outils de suivi, comprenant un ensemble de bonnes pratiques pour la réintégration des enfants de retour. La boîte à outils de suivi et les bonnes pratiques offrent un ensemble d'outils pratiques, y compris une enquête quantitative, des études de cas, des discussions de groupe et des entretiens avec des informateurs clés qui tiennent compte des diverses expériences des enfants de retour. La boîte à outils a été développée pour les parties prenantes de la réintégration ayant besoin d'outils adaptés pour suivre la réintégration des enfants et pour le personnel travaillant dans les pays d'origine et les pays d'accueil responsables de la planification et de la coordination. Accédez dès aujourd'hui à la boîte à outils sur la plateforme sur le retour et la réintégration.